Bonjour, c'est Nathalie, j'espère que tu vas très bien. Donc, comme tu peux t'en rappeler, nous avions testé un produit il y a environ 3 semaines de ça que j'avais appliqué donc sur mes deux mains et je t'avais dit que je te ferais un petit retour honnête sur les produits. Alors déjà, rappelle-toi, hein, c'était un produit 3 en 1, c'est-à-dire que à la fois il était ultra pigmenté, tu peux l'appliquer sur tout l'ongle. Là, je n'ai qu'une seule couche. Là, j'avais appliqué 2 couches de couleur sans finition, hein. Attention, je l'ai mis à l'épreuve comme jamais. J'ai créé un mur en pierre avec mon conjoint. Les pierres, je les ai pris à la main. Hier soir encore, j'étais dans le jardin, donc tu peux voir que peut-être mes ongles, j'ai pas encore réussi à 100% les nettoyer. Vraiment, je les ai mis à l'épreuve comme jamais, hein. J'ai pas utilisé de gants et tout. On peut voir que la finition est un petit peu rayée, mais je pense qu'avec n'importe quelle finition, ça aurait fait pareil. Mais on peut voir que aux endroits qui n'ont pas été trop en contact avec les pierres et avec la terre et tout ça, c'est encore très très brillant, hein. On peut le voir que voilà, sur l'avant, ça a été abîmé, mais c'est normal. Et franchement, en termes de tenue, comme tu peux le voir, hein, rien n'a bougé. Et mes pieds sont d'une brillance incroyable. Forcément, je ne l'ai pas fait avec les pieds. Et là, on peut. Alors, je pourrais peut-être te mettre une photo. Mais en tout cas, c'est dingue, ça n'a pas bougé du tout. Alors, clairement, là, tu vois que c'est vraiment l'usure extrême, enfin des choses assez extrêmes que j'ai fait qui ont fait ça. Là, j'ai une petite pierre, voilà, qui m'a égratigné l'ongle, donc il y a un tout petit bout qui a cassé sur l'avant, mais c'est tout. Voilà, juste ici aussi un tout petit peu sur l'avant parce que voilà, forcément c'est ma main droite que j'utilise tout le temps. Et faut quand même imaginer que j'ai porté des blocs de pierre de plusieurs dizaines de kilos. Pour faire mon muret et que j'ai utilisé de la chaux aussi qui a traversé mes gants d'ailleurs, donc la chaux, hein, tu sais que c'est très très agressif et donc du coup d'ailleurs j'avais les doigts assez brûlés, donc vraiment je l'ai mis à l'épreuve et honnêtement je suis très 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 contente de la tenue. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est juste incroyable. Alors j'avais juste un gainage en dessous et c'est super. Donc ce que je te propose aujourd'hui dans la vidéo. Oui, c'était aussi un autre petit retour que je voulais te faire, hein, par rapport aux autres produits. Tu sais, on avait testé des produits ensemble. Va voir dans les précédentes vidéos si jamais tu ne te souviens plus ou si tu ne les as pas vues. C'était des vidéos live, la qualité n'était pas terrible. Donc du coup, je préfère quand même faire des vidéos comme ça pour que tu vois bien les choses. Le premier produit était un. Je les ai pas sous le coude parce que du coup je les ai testés sur ma mère et ils sont encore en bas. Le premier était vraiment très épais et. Une texture de crème, j'ai pas tellement aimé. J'ai testé sur ma mère et même en pratique, ou alors faut peut-être que je pratique un peu plus, mais j'ai pas tellement adhéré. Maintenant, ça fait qu'une semaine qu'elle les a, donc je n'ai même pas. J'ai pas encore assez de retours pour dire si ça tient bien ou pas. Mais les deux autres produits sont vraiment super et je te les montrerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur le même produit. Je t'en avais parlé, le blanc. Le blanc est juste d'une. Voilà, une opacité terrible. Et je te rappelle qu'il contient également la finition. C'est-à-dire qu'un seul produit comme ça, une couche sur un ongle dépoli, ah bah ça tient. Je ne sais pas si tu imagines le gain de temps, mais c'est juste incroyable, quoi. Incroyable. En fait, ça donne vraiment un aspect de vernis classique, mais avec une tenue incroyable. Donc finalement, on en revient un petit peu à la promesse du semi-permanent. Parce que le semi-permanent, sans que tu fasses de gainage ou quoi que ce soit, ben, en général, ça ne tient pas. Celui-là a l'air quand même de bien tenir. Du moins sur mes pieds, il tient de manière impeccable. Et en fait, sur un de mes pieds, j'ai même oublié de dépolir la surface. Donc autant te dire que je l'ai appliqué comme ça, donc le rouge, hein, sur une surface non dépolie, il n'a même pas bougé. Donc voilà, c'est juste incroyable. Donc j'avais envie de tester avec toi le blanc, donc pour voir si on pouvait faire une jolie French et éventuellement un baby boomer. Parce que moi, mes baby boomers, je les fais toujours avec du gel paint. Je ne sais pas du tout si ça pourrait aller avec ça. Normalement, je ne conseille pas du tout ni les semi-permanents ni les gels pour ça. On va voir si ça marche, je suis pas sûre, mais on verra. Déjà, premier essai sur le rouge pour voir l'opacité. Hein. Lorsqu'on a un blanc classique, il peut être voilà, un peu transparent. Je pense que là, voilà, c'est juste incroyable. Je l'applique en couche super fine. Regarde-moi ça comme il est blanc. C'est dingue. Et il a une texture vraiment de semi-permanent, c'est-à-dire que. Bon, je ne veux pas faire de French, hein, c'est juste pour te montrer.
Il a vraiment une texture, voilà, j'arrive plus à parler, de semi-permanent, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout comme un gel peigne qui va être épais ou quoi que ce soit. Là, il s'applique vraiment très très bien. Donc, je vais enlever ça et puis on va tester tout ça sur capsule. Voilà, j'ai pris une petite capsule et on va tester tout ça. Alors, je vais en prendre un petit peu. Je vais en prendre avec mon pinceau de nail art. On va commencer par la French, voir comment ça se comporte en French. Alors, tout simplement, hein, j'ai pris une capsule, je l'ai très légèrement dépolie, mais même pas vraiment entièrement, surtout plus l'avant, avec une lime toute fine. C'est de la lime, voilà, celle-ci. Donc si jamais tu as des ongles où tu veux retrouver une brillance incroyable sur ton ongle naturel, en fait ce côté-là a un grain ultra fin et ce côté-là te permet de polir l'ongle. Donc ton ongle naturel va être tout brillant grâce à cette lime-là. Ça va renforcer un petit peu ton ongle. Donc voilà, on l'a sur le site si jamais tu en as besoin. C'est vraiment topissime. Et quand on veut juste dépolir très 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 légèrement, avoir un grain ultra fin, et moi c'est ce que je te conseille, hein, quand tu fais du travail comme ça, soit de mettre une finition mate dessus avant, mais si tu veux pas avoir trop d'épaisseur, ça c'est juste incroyable, regarde ça, ça laisse même pas de poussière tellement c'est fin. Après bien sûr on peut toujours repasser un petit coup de cleaner sur la surface si on veut vraiment être sûr, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très très fin en termes de grain. Parce que si par exemple là tu essayais de dépolir avec une lime classique, tu aurais des petits stries qui t'empêcheraient d'avoir une French bien lisse. Donc ça c'est vraiment le premier secret. Donc en attendant, voilà, mon produit a un peu glissé. Je vais en reprendre un petit peu, voilà, sur la pointe. Et bon, je vais faire une French très très classique, hein. Alors là, j'essaye pas forcément de la faire bien ou quoi, c'est juste voir si on peut avoir une French fine en termes d'épaisseur tout en étant opaque. Donc là, le pinceau, c'est pas franchement la technique que je préfère. Donc ça fonctionne aussi. Mais voilà, si tu veux apprendre comment faire une belle French, je l'apprends dans ma formation d'une semaine. Voilà, pour débuter. Donc comme tu peux le voir, j'ai mon ongle qui tourne un petit peu, parce que j'ai ma pâte à fixe en dessous qui adhère plus tellement. L'opacité, alors c'est très fin, l'opacité n'est pas à 100%. Donc je vais faire des petits tests. Moi j'aime bien toujours tester, hein. Sache que c'est un produit que je n'ai pas encore en stock. En ce moment il est en plein test, comme je te l'avais montré justement dans un des lives que j'avais fait. Donc n'hésite pas à aller le voir. Et comme je te l'ai dit, la qualité en fait des vidéos dans les lives me plaît pas du tout. Même si j'aime beaucoup l'effet live, parce que je peux communiquer avec toi, je peux répondre à tes questions et tout en direct. Mais voilà, n'hésite pas du coup à me poser des questions dans les commentaires, je t'y répondrai également. Ben voilà, j'ai rajouté juste un peu plus de produits. Et franchement, c'est pas mal. Voilà, on arrive à obtenir une French plutôt lisse. En termes d'épaisseur, ben écoute, c'est super fin. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas, tu sais, le bourrelet là de matière sur l'avant qui n'est pas très très joli. Là, c'est fin. Voilà, là, tu mets ta finition dessus, il n'y a aucun décalage. Donc, c'est nickel. Bon, alors, je ne dis pas que je l'ai faite parfaitement. Hein. Là, hop, on essaie de faire quelque chose un peu plus fin au bout. On essaie de monter des deux côtés de la même manière. Et voilà, c'était pas vraiment l'objectif, hein. L'objectif, c'était surtout de tester le produit. Donc, on va le catalyser pendant 30 secondes et on voit ce que ça donne. Bon, ben voilà, comme on pouvait s'y attendre, c'est brillant. Et même en passant dessus, voilà. Donc, comme sur mon rouge, il se comporte vraiment très bien. Et là, je me dis que ça aurait été sympa quand même d'avoir une capsule un peu rosée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une capsule avec un fond rosé. Et je te reprends tout de suite pour le Baby Boomer. Donc voilà ma base rosée. Maintenant, je n'aime pas tellement appliquer
mon blanc, donc pour faire mon baby boomer, juste comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon top coat mat que tu retrouveras également sur le site. Alors attention, hein, c'est un produit qui catalyse très très vite et donc du coup ne le laisse surtout pas près des UV parce que du coup il se catalyserait très très vite donc sur l'ongle mais également sur le pinceau et tout autour du produit aussi, hein. Certaines personnes laissent le produit un peu ouvert comme ça à côté d'elles près d'une fenêtre et après elles s'étonnent que le produit est sec à l'intérieur. Pas s'étonner. La finition mate, c'est vraiment le produit le plus capricieux qu'on peut avoir, le plus sensible. Donc prends-en bien soin. Voilà, on l'applique bien sur toute la surface, on regarde toujours les fils de lumière pour avoir quelque chose de bien net. Et on remet tout ça à catalyser encore une fois. Donc en attendant que ça catalyse, je vais prendre mon éponge. Comme tu peux le voir, celle-là, elle est toute neuve. Tu peux éventuellement également la recouper si tu veux l'utiliser plusieurs fois, sous plusieurs angles différents. Même la couper en tout petits bouts, hein, c'est tout à fait possible. Là, je vais d'ailleurs peut-être la recouper également. Ça me permettra de réutiliser l'autre partie. Donc là, très simplement, hein, avec des petits ciseaux. Hop là, voilà. Donc un petit bout comme ça va me suffire. Donc je vais prendre mon blanc. Et là, l'erreur que tout le monde fait, c'est de mettre beaucoup trop de matière ou alors de ne pas venir... Ah là là, j'ai un petit poil sur le bout de mon pinceau. Oh, ben, je sais pas jusqu'où il va celui-là. Incroyable. C'est de mettre trop de matière et de ne pas le fondre après. Donc regarde bien comment je fais. Hop, je fais une ligne de produit sans excès. On peut aller un peu plus loin si on veut. Et l'objectif au niveau du baby boomer, donc là tu vois que c'est, il y en a très peu, hein. L'objectif au niveau du baby boomer, c'est de je vais tenir, voilà, comme ça, c'est de n'avoir pas trop de produits ni trop peu de produits et de venir fondre d'abord. Moi, c'est ma petite technique, c'est que je viens fondre sur le dos de la main et tu vois qu'il y a déjà un fondu qui se crée, tandis qu'au début ça faisait quelque chose de très net. Je vais reprendre ma capsule et on va tester. On va fondre, on va pas remonter trop haut et on va pas appuyer trop fort. L'idéal pour un beau baby boomer, ça va être entre un tiers et la moitié de l'ongle, pas plus. Donc on voit que là c'est vraiment très très clair, hein. On n'a pas beaucoup de contraste entre le rose et le blanc. Donc moi je le fais toujours en plusieurs couches, donc on va voir. Je vais laisser recatalyser un petit peu comme ça sur l'avant. En attendant, je vais en remettre un petit peu. Alors comme dit, on est en test là, hein. Si ça se trouve ça ne marchera pas du tout. Mais en tout cas je teste dans les conditions où je teste, où je fais en général le baby boomer avec du gel paint. Donc là, peut-être que je n'en avais pas mis assez, on va voir. À chaque fois, on retamponne un peu, je vais tamponner un petit peu moins. On va le reprendre. Donc attention à bien catalyser entre chaque couche. Voilà, là, c'est déjà un peu plus blanc. Et tu vois que je vais faire gauche-droite, gauche-droite. Voilà, là on voit déjà un petit peu mieux le fondu. Encore une fois, je recatalyse et on va refaire encore une petite couche. De toute façon, ça se fait toujours en plusieurs étapes, hein. Il y a d'autres techniques, d'ailleurs ça je l'apprends dans ma nouvelle formation de niveau 1 que j'ai entièrement remise à jour très très récemment. J'apprends trois techniques différentes pour le baby boomer pour vraiment que tu aies la technique que vraiment tu maîtrises. Et donc une troisième couche. Attention à toujours faire encore une fois droite gauche et je redescends bien à chaque fois. Tu vois que j'essaye de recréer
quelque chose d'assez homogène au niveau de la jonction. Il faut pas que ce soit une jonction nette. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je descends un petit peu plus. J'aurais pu remonter encore un peu plus haut. Tout dépend à quel niveau tu veux avoir ton baby boomer. Il y en a qui l'aiment au milieu de l'ongle, d'autres plus bas. Donc voilà. Mais en tout cas, le résultat pour l'instant, il est plutôt harmonieux. Il est plutôt sympa. Il y a peut-être quelques petites. Quelques petits points sur l'avant. J'appelle ça un effet un peu nuage. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre ensuite donc mon Milky dessus. J'aime bien toujours mettre le Milky pour avoir. Faut que je le retrouve. J'en ai plein à côté de moi. Voilà, le Milky. J'aime bien en mettre dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus fondu encore. Bon, ça n'a pas catalysé à 100%, mais c'est déjà pas mal. Et donc, on va voir ce que ça donne. Là, alors c'est un produit que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Donc quand ça fait longtemps comme ça que j'ai pas utilisé un produit, il peut y avoir des petits résidus par exemple de produits qui ont séché un petit peu sur le contour du produit et que je vais prendre avec le pinceau. Donc il faut faire bien attention à ça et enlever tous les petits résidus. Donc c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de mettre un peu plus de blanc vers la pointe et ensuite donc de tirer vers le haut. On fait toujours donc cet aller-retour pour voir si le fil de lumière est plutôt bien, pour voir s'il y a encore des petites aspérités. Alors il y en a encore un tout petit peu, donc des petites poussières. Alors, on essaye de rectifier tout ça et puis donc du coup on vérifie si le fil de lumière est plutôt bien, en sachant qu'il y aura toujours encore la finition par-dessus qui va nous permettre vraiment de venir lisser encore plus. Et donc là je vais catalyser. Juste avant de catalyser, je rectifie encore un tout petit peu. Il y avait un petit excès de matière sur le côté parce que j'avais attendu un peu trop longtemps. Enfin, ce que tu peux faire également, c'est de faire ce que j'ai fait. C'est que quand tu appliques une couche, tu peux retourner ton ongle avant de le catalyser. Justement, ça évite que la matière aille sur les côtés. Et donc, du coup, ça reste bien vers le centre. Ça te crée un bombé naturellement. Et en plus de ça, bah, tu auras moins de limage par la suite. Et voilà donc le résultat après avoir appliqué la finition. Ben, je trouve que le résultat est quand même vraiment bien pour un produit type semi-permanent. Parce que d'habitude, je le fais toujours avec le baby boomer. Et là, on ne voit pas trop les petits points. Comme tu peux le voir, c'est vraiment fondu. Je suis vraiment satisfaite du résultat et même la finition est plutôt bien. Parce que du coup, j'ai fait la finition entre-temps. Et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est plutôt très réussi, très homogène. Tu vois que le fondu est vraiment bien, qu'il n'y a pas tous ces petits points qui peuvent apparaître. Donc, je trouve que je suis plutôt satisfaite de ce produit. Dis-moi dans les commentaires si de ton côté c'est la même chose. Tu trouves que le baby boomer est plutôt bien et si tu as envie de le réaliser comme ça. Alors encore une fois, il est très naturel. C'est pas un baby boomer très contrasté, mais je le trouve plutôt bien. Et voilà donc j'avais rajouté un petit peu de couleur au niveau de la reverse afin de bien voir la différence avec le blanc et je trouve que ça s'applique vraiment très bien, ça se lisse très bien. Honnêtement, je suis assez satisfaite de la polyvalence de ces semi-permanents. Donc, encore une fois, dis-moi si toi aussi tu trouves que c'est sympa. Et je te dis à très très vite dans de prochaines vidéos.